Donc, suite des vidéos pour Black Orpheus. On va travailler sur un arrangement avec une main gauche un petit peu plus développée. Voilà, donc si vous êtes débutant, ça va vous demander un petit peu plus de temps si vous n'êtes pas habitué au déplacement de main et à gérer deux parties différentes. Mais si vous êtes persévérant et motivé, en décortiquant bien les mouvements et les mains séparées, vous pouvez y arriver. Donc, c'est une version qui s'adapte un petit peu plus quand on joue seul. Effectivement, le piano a une grande tessiture, beaucoup d'octaves, 7 octaves et demie. Donc, tout à l'heure, on est resté beaucoup dans les médiums, les aigus. On va utiliser un petit peu plus les graves et on va alterner en fait les basses et les accords. La main droite, je vais laisser exactement la même partie, c'est-à-dire le thème, éventuellement plus tard des improvisations. Le thème en note, single note, une seule note. La main gauche va alterner des basses et des accords. Donc, je vais suivre scrupuleusement la grille d'accords et je vais donc alterner sur le premier temps, je vais jouer la tonique de chaque accord, par exemple pour le La mineur 7, le La, et je vais alterner avec l'accord tel qu'on l'a appris tout à l'heure, de façon à ne pas perdre le repère qu'on a déjà installé et construire sur la même base un arrangement un petit peu plus fourni. Voilà. Alors, la particularité, c'est que si on découpe la mesure en deux, si on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on est trop sur les temps, d'accord ? On va avoir l'impression de faire une pompe, ce qu'on pourrait faire dans un morceau plutôt swing, d'accord ? Ou d'autres styles. Donc, la particularité de la musique latine, puisque là on est dans la bossa nova, on touche quand même un petit peu aux musiques latino, c'est la syncope. La syncope et le contretemps. Donc, on ne va pas aller dans des choses très compliquées, on va juste marquer un petit syncope, un petit contretemps sur l'accord. Voilà, tout simplement. Au lieu de le faire tomber pile sur le troisième temps, on va l'avancer d'un demi-temps. Donc, je vais avoir sur la basse une noire pointée. Et l'accord va tomber une croche, un demi-temps avant le troisième temps. Donc, ça va faire noir pointé, et pour l'accord, croche avec une blanche. Donc, 1, 2, et 3, 4. 1, 2, et 3, 4. 1, 2, et 3, 4. Voilà, au niveau du placement rythmique, je vais garder la même chose tout le temps. C'est le plus simple. Voilà, je vais marquer avec ce petit contretemps, tout de suite, un esprit légèrement latin. On peut faire des choses, bien sûr, beaucoup plus compliquées. Donc, je vais décortiquer un petit peu, sans métronome d'abord, chaque partie. Et ensuite, on verra tout ça enchaîner avec le métronome. Donc, la grille d'accords, là. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4. Alors, je vais préciser, quand les accords durent une mesure entière, je vais pouvoir jouer la basse et l'accord dans la même mesure. Par contre, quand il y a deux accords dans la mesure, pour simplifier, éviter trop de mouvements et de déplacements, je vais jouer la basse du premier accord, par exemple si, et je vais jouer en accord le deuxième accord. Voilà, je vais scinder la mesure en deux, je vais jouer basse du premier accord, et pour l'accord, je joue le deuxième. C'est en particulier quand on a si mineur septième bémol et mi 7 qu'on a ce problème. Voilà. Donc, je continue, je vais essayer de faire la grille entière. 1, 2, 3, 4, 6, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai deux accords dans la mesure, j'ai Ré mineur 7, Sol 7, donc je fais la base de Ré et l'accord de Sol 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Do dièse. Pour la suite, pas de problème, pendant un moment, j'ai une mesure par accord. 1, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Si, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, demi-mesure, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
y a la modulation, le passage en ré mineur, on verra ça tout à l'heure dans l'analyse harmonique. Pareil, mi, 1, 2, 3, 4, la, 1, 2, 3. Demi-mesure, 1, 2, 3, 4, la, 1, 2, 3, 4, fa, 1, 2, 3, 4, si, 1, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je vous conseille de travailler bien la main gauche seule, sauf si vous êtes vraiment habitué, si vous avez fait du piano classique, si vous avez déjà fait du jazz, si vous êtes habitué à ce genre de choses, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Si vous êtes plus débutant ou moins avancé, décortiquez bien les mains séparées, la main gauche seule avec un métronome, on va le faire ensuite. Repérez bien chaque accord, chaque basse, chaque tonique. Bon là c'est assez simple, on joue à chaque fois la tonique de l'accord, donc c'est ce que vous avez sur la grille, ça correspond à la notation anglo-saxonne, la lettre qui correspond à l'accord. Il faut gérer les déplacements, voilà, la précision et garder le rythme. D'accord? Bien entendu, si vous jouez du piano depuis longtemps, ça peut ne pas vous poser de problème. Voilà, donc là on a la grille entière, je vais la faire enchaîner au métronome, puis je peux vous donner aussi donc deux, trois petits conseils. Donc bien repérer quand ça dure une mesure entière avec votre grille devant les yeux. Là vous savez que vous pouvez faire basse accord, quand il y a deux accords dans la mesure, repérer les endroits de façon à faire alterner la basse et l'accord dans la même mesure. Il faut faire attention à ça parce que si on travaille sans faire attention à ça, on risque de se retrouver avec des cotes mal taillées, des mesures avec des temps en trop ou des temps en moins. D'accord? Voilà, ça c'est un conseil important, sauf bien sûr si vous êtes bien avancé au niveau de la musique, ça vous paraîtra évident, vous avez l'habitude de travailler ça. Autre conseil, j'utilise la pédale de sustain. Voilà, donc là je suis sur un piano numérique, donc j'ai une pédale damper, pédale de sustain, voilà, de ce type. Sur un piano, vous l'avez incorporé au piano. Donc, en fait, je vais m'en servir ici pour garder le son de la basse. Évidemment, quand j'appuie la basse, je me déplace. Donc, le son du piano ne tient pas. Je vais donc appuyer sur la pédale au moment où je joue la basse. Voilà, là, je vous montre ce que je prends la main en l'air. Je bloque le son avec la pédale, ce qui me permet de garder le son de la basse pendant que je me déplace sur l'accord. 1, 2, 3. Et pour pas qu'on ait trop de pédales de sustain, de résonance, et que tout ça devienne trop brouillon, je lâche la pédale au moment où j'appuie l'accord. Voilà. Elle va me servir à faire tenir les basses le temps que j'arrive sur l'accord. Ça va donner un côté plus doux et moins sec. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose si vous n'avez pas l'habitude que vous pouvez faire dans un deuxième temps. Quand vous maîtriserez les enchaînements des basses et des accords et la mise en place en rythme, vous pouvez rajouter la pédale à la fin en finition. Quand on n'est pas habitué, c'est difficile de gérer plusieurs choses simultanément, vaut mieux découper les difficultés. Voilà, donc je mets un métronome, je vais le ralentir un tout petit peu, je vais le mettre à 90 pour que vous ayez le temps de bien vous entraîner. Vous pouvez bien sûr jouer par-dessus la vidéo et évidemment avec votre métronome, je vous conseille vivement. 90 à la noire. 2, 3, 4. 1, 2, 3.